Alors, et donc voilà, c'est bien le niveau dont je parlais, le fameux Reaper Roo. C'est le second boss du jeu. C'est, pour ceux qui ne se rappellent pas du nom, c'est le chien en fait avec la camisole de force qui saute en fait avec une canne. En fait, il est sur une canne et il saute. C'est bizarre. Excusez-moi, je me désaltère à nouveau. Voilà, c'est parti. Désolé. Ah putain, ça c'est pas quelque chose que je ferais dans mes vidéos. Oh, quoique. Je me suis jamais trop retenu, je suis pas quelqu'un qui se retient dans la vie. Alors, c'est quoi déjà le but du jeu? Ouais, regardez où est-ce que, ben, où est-ce qu'il rebondit en fait en fonction de son regard. Non, en fait, ouais, il rebondit dans la même façon en fait. Ouais, voilà, il fait qu'un pseudo-triangle. Donc là, je fais péter ça, et normalement ça le touche. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Donc là, il va changer de direction. Il fait ici. Il fait là. Il fait là-bas. Ok, c'est un losange. Non, c'est un triangle. C'est un triangle. On va calculer, on va calculer. Je crois que ce serait le must de faire ça. Hop, allez, tente. Bim, non, ok, ça n'a pas marché. Big TNT, ça c'est pas beau. Alors, non, bon, par ici ça n'a pas l'air de bien marcher. Je vais la faire péter là. En espérant, non, ok, ça ne marche pas non plus. Non, non, mais je crois qu'en fait il n'y a qu'un seul moyen. Hop, là, juste avant que tu partes. Ça c'est pas beau. Allez, pète, pète maintenant, maintenant! Oh. Oh, mais elle a vraiment mis son temps là. Là, je suis désolé. Reaper Roo est un boss qui n'a que 3 barres de vie, vous pouvez le voir déjà. Bon, j'ai enlevé le OU de Reaper Roo. Je ne pourrais vous dire. Oh, génial. Putain, si je crève comme ça. Oh non, il a récupéré ses 3 barres! Oh, le bête tout. Ce chien est fou. D'ailleurs, ça se voit, putain, la race qu'il a. Alors, ouais. On va faire péter celle-là et on va tenter le reste. Là, il arrive. Non, ok. On va tenter avec cette caisse de TNT qui est en train de se barrer. Voilà. Reviens, reviens. Maintenant, maintenant, maintenant! Oh, c'est pas vrai. Ok. Ok. Oh, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Oh non, non, on n'y va pas maintenant. Putain, j'ai perdu à cul. J'ai perdu à coup à coup. Ok, j'ai perdu moi dans l'eau. C'est génial. Allez, allez, allez. X, remets-toi en cause un peu. Sauf ton honneur. Là, là, normalement, t'es mort là. Bim! Putain, elles sont vraiment trop longues ces caisses. Peut-être qu'il faut. Ouais, bon, je vais y sauter plus tôt. Avant qu'elles se rebarrent. Genre maintenant. Voilà. Avance. Bah, regarde, maintenant elle pète même pas en partant. J'y peux rien moi. Là, 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 là normalement. Bim! Oui, c'est génial. Il fait le triangle là maintenant. Ouais. Alors, je vais pas changer les bonnes habitudes. Clac maintenant. Hop. Bon, d'accord, ok. J'ai l'impression qu'elle pète peut-être plus vite, hein, non? Juste avant qu'elle se barre. C'est super. C'est génial. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Boum! Allez, cette caisse. Allez! Je joue vraiment avec le feu. Heureusement que j'ai un AQ doré en fait, c'est ce que je viens de remarquer. Alors, là normalement. Oh, là, là, boum! Boum, c'est bien ce que je dis, boum. Voilà! Tête au cul, quoi. C'est super, c'est super, c'est super. Là, maintenant, allez, on tente. Avance. J'ai l'impression qu'en fait, si je les touche, elles avancent plus loin. Hein. Je les touche juste avant qu'elles se barrent. Maintenant, 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 maintenant. Allez, 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 allez. Oui, c'est super. Voilà. Déconne pas, déconne pas, déconne pas maintenant. Alors, tu calcules la trajectoire. Jusqu'à là, c'est normal. Faudrait peut-être, je sais. Alors, on va en péter une, comme ça, manière. Regardez le temps qu'elle met. Ok, bon, déjà elle met trop de temps. On dirait sur cette rive qu'elles vont peut-être plus vite. Je sais pas, je calcule. Ouais, elle a pas décollé. Me mettre
Me mettre bien déjà. Ouais, voilà. Voilà, se mettre bien, c'est ça, c'est exactement ça. Hop. Hop. Non, non, je vais péter. C'est génial. Ok, ok. Hop. Là. Par. Tiens, ils veulent pas partir. En fait, je crois qu'il faut que je saute dessus juste avant qu'elle se barre, en fait. Ok. Là, j'ai trop attendu, c'est super. Alors, d'abord, elle avance. Là. Non, elle veut toujours pas. Non, elle part pas en fait une fois que je saute dessus. Ouais, c'est bien ce que je pense. Putain, je me rappelais pas que c'était vraiment si difficile que ça. Là, normalement, tu crèves. C'est génial. C'est génial. Et si je tentais, si je faisais le fou? Ok, j'ai fait le fou, ça paye bien, c'est super, c'est génial. Là, maintenant, elle peut pas démarrer une fois qu'on... Non, même pas, c'est génial, alors. Voilà, on va faire le fou, j'ai une idée. Voilà. Une fois qu'elle va être là, je vais la péter ici, voilà. Je me décale, là maintenant tu crèves, d'accord, ok. Bon, au moins c'est bon, j'ai trouvé un bon truc parce que là, il y a plus de chances qu'il crève comme ça. Genre, il y a plus de chances... Voilà. Que tu crèves en faisant ça. Oulé, lélé, doucement, Michel. Hop, hop. Voilà. Allez, là. À quoi ça sert, ça? Tu m'auras pas. Ah, si. Si, si, tu m'as eu, en fait. Boum. Allez, mais crève, crève. Voilà. Enfin, putain. Maintenant. Putain, c'est vrai qu'elle part pas une fois qu'on saute dessus. Faut attendre vraiment qu'elle décolle. Alors, le triangle, il ne bouge. Alors, hop, hop. Voilà. Là, t'es plus censé. Ouais. Je vais tenter de l'avoir comme ça. Hein. Je sais pas, peut-être c'est une technique comme une autre. Non. Non, non, faut toucher une caisse qui peut au moins toucher deux plateformes. Comme celle-là. Maintenant, yes. Là, il va sauter où? Je suis sûr que je vais me le prendre dans la gueule. Non, il fait un losange, je crois. Ouais. Ça y est, c'est le fameux losange. Donc, je vais rester in the middle. Oh putain, je vais l'avoir. Je l'ai eu. Enfin, putain. Ah bah, dis donc, c'est pas trop tôt. Ah, merci à tous de vos encouragements.